Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Shingeki no Kyojin. Je sais très bien que cela fait longtemps que j'en ai pas fait. Et surtout concernant la série où je corrige les scènes de Mappa. Alors cette fois-ci ça va être un peu différent parce que connaissant la partie 2 saison 4 de Shingeki no Kyojin, eh ben en termes de qualité de dessin et d'animation ça a été largement meilleur que la partie 1. Du coup ce que je vous propose cette fois-ci c'est une version Wii Studio, c'est-à-dire que je vais éditer les certaines scènes de Mappa en faisant en sorte que ça puisse ressembler à ce que Wii Studio pouvait faire comme qualité. Et ben moi je vous dis c'est parti, let's go. Alors on commence directement avec cette scène de Mikasa. Bon, alors qu'est-ce qui ne me plaisait pas ici? Alors le dessin lui-même il est parfait, franchement il est parfait, mais il y a un petit problème au niveau de la luminosité. Et bon, connaissant Wii Studio, ils sont très forts au niveau des effets et des luminosités. Et aussi des effets sur les cheveux, du coup. C'est ce que j'ai fait pour cette Mikasa. Pareil, j'ai augmenté la luminosité et je lui ai ajouté un petit lipstick, c'est-à-dire rouge à lèvres. Et ça donne ça. Après, on enchaîne encore une fois avec Mikasa. Le dessin, pareil, rien à dire, il est parfait. Vraiment, la Mikasa ici, elle est magnifique. Mais pour que ça puisse ressembler à Wii Studio, eh ben, il faut ajouter quelques petits effets. Et ces petits effets, eh ben, c'est pareil, c'est au niveau de la luminosité et aussi de l'ombrage. Parce que dans l'ombrage, il manque aussi quelques petits trucs et aussi des contours. Eh ben, 3, 2, 1, voici ce que ça donne. Les petits effets sur les cheveux, vous pouvez voir, j'ai ajouté des petits détails comme ça qui ne dérangent pas. Même son nez, je l'ai raffiné. Troisième edit, et cette fois-ci, ça sera sur du lourd. Du très 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 lourd parce que ça sera Eren Yeager. Voilà, c'est Eren Yeager. Bon, alors ici il y a pas mal de trucs. Le Eren, dans le vent, on reconnaît direct que c'est Eren, certes. Mais moi j'avais un petit problème avec le nez. Enfin, c'est pas que je critique ma peau ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que pour que ça puisse ressembler à Wii Studio, eh ben, il faut raffiner le nez, il faut raffiner aussi le visage, hein, le crâne et tout. Et les yeux, il faut les rendre un peu plus arrondis. Ajouter bien sûr quelques petits effets, augmenter la luminosité. Eh ben, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, voici ce que ça donne. Il y a eu un énorme changement, ça c'est vraiment un des edits que je kiffe le plus, que j'ai le plus kiffé faire. Les effets sur les cheveux, comme quoi ça brille, parce qu'il y a la luminosité derrière de l'arbre, donc du pass. Du coup, il fallait augmenter la luminosité, il fallait aussi montrer que bah, c'est très lumineux. Du coup, j'ai ajouté des effets sur les cheveux. Les yeux, bah, bien sûr, je les ai rendus plus verts et plus Wii Studio-esque, disons. Les effets sur les cheveux, pareil. Voilà, j'ai raffiné le visage, comme vous pouvez voir. Hein. Là, je suis en train de vous faire une comparaison. Pour moi, c'est vraiment du Wii Studio. Le nez, pareil, le nez, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup raffiné. Ah oui, si vous n'avez pas aussi remarqué, certes, j'ai augmenté la luminosité, mais derrière Eren, c'est-à-dire le second plan, j'ai ajouté des petites étoiles pour le ciel, pour rendre le ciel beaucoup plus lumineux, beaucoup plus splendide entre guillemets. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'ai beaucoup 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 d'edits Wii Studio-esque que j'ai fait qui sont prêts à être postés. Du coup je vais les poster dans une prochaine vidéo comme j'ai fait l'année dernière et ça me fait trop plaisir de faire ça. Je le fais vraiment par pur plaisir, c'est pas que je critique les travaux de Mappa ou quoi que ce soit, non pas du tout. C'est juste que vraiment je kiffe faire ça, je kiffe. S'il y a personne qui l'a fait, alors pourquoi je le fais pas? Wii Studio ne l'a pas fait, d'autres personnes ne l'ont pas fait, alors moi je suis capable de le faire, alors pourquoi pas je le fais pas. Je le poste sur YouTube comme ça je le garde pas que pour moi, je vous montre à vous tous et ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Du coup voilà, moi je vous dis bye tout le monde, terminé, peace.